Aujourd'hui, nous méditons sur Joseph, l'époux de Marie. Le mariage de Marie et de Joseph n'est pas un mariage de convenance, n'est pas un mariage arrangé. Il s'agit de deux jeunes gens qui s'aimaient d'un amour profond et sincère. Il y a donc à remarquer comment Joseph s'est donné à la Vierge Marie dans leur amour conjugal. Il y a donc à remarquer que, en se donnant de la manière dont Joseph s'est donné à Marie, a dépendu la fécondité de son propre ministère de paternité. C'est parce qu'il aime Marie, parce qu'il est l'époux de Marie, que Joseph est le père de Jésus. Ainsi, Marie apparaît comme médiatrice. Marie apparaît comme celle qui a façonné l'identité intime de Saint Joseph. Et bien sûr, nous l'avons médité hier, Marie est médiatrice aussi, en tant qu'elle indique à Jésus le chemin du Père. C'est elle qui désigne à Jésus Joseph comme son Père. Aujourd'hui, accueillons de Saint Joseph la grâce de savoir accueillir le ministère de médiation de la Vierge Marie dans chacune de nos vies, que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité mystérieuse qui fait que, de la manière dont nous l'accueillons chez nous, de la manière dont nous nous donnons à elle, dont nous l'aimons, dépend la fécondité de notre charisme propre